c'est parti. On va y aller. Let's go. On a la classe quand même, hein, sur une petite licorne bleue comme ça. Regarde tout ce que j'ai à offrir à ce monde. Je suis la perfection que tu recherches. Oh là là, c'est énervant ça. Maintenant c'est le spectre d'Atalante qui nous attaque. Du coup on va pas pouvoir aller à la statue je pense, on va être bloqué par lui. Ah, on a de l'ambroisie. Est-ce que c'est tout en haut l'ambroisie? Je ne sais pas. Oula, il m'a fait mal lui. Il fait du dégât. On va se calmer. Ils sont costauds là, hein, par contre. Waouh, il fait quoi? Il s'est envolé le cyclope. C'est la déesse de la Tagel. Le problème c'est qu'on va être embêté tant qu'il y aura cette tempête là. Est-ce qu'il nous frappe toujours le méchant? On fait de l'escalade, hein. Elle est super grande cette statue. Le talent d'Athéna incita les Grecs à tisser de magnifiques étoffes et de sublimes tapisseries. Elle aurait mieux fait de les inciter à inventer l'ascenseur. Ils me font trop rire avec leur... Et bien entendu, ta chouette. Leurs dialogues sont vraiment énormes. Phénix savait que la chouette représentait la sagesse d'Athéna. On ne rate pas, on va prendre l'ambroisie au passage. Dont elle faisait bénéficier les héros mortels. Autant dire un gâchis de sagesse absolue. Phénix avait pour lors échappé au spectre et à la rage. Mais il savait que Typhon attendait son heure. Ça va s'enlever la tempête avant de découvrir? Ouais, voilà. C'est ça que j'attends. Attends que la tempête s'en... Ouais, non, elle s'en va ou pas? Normalement, c'est bon, là. Ouais, elle s'en va. Allez! Cette contrée était empreinte de la sagacité d'Athéna, parsemée de temples dédiés à sa sagesse et à son esprit. Emplie de lieux aux mystères anciens,
nimbé d'indicibles dangers. Pas mal. Et les impôts locaux, c'est combien dans le coin? C'est propre, hein. Merde, c'est pas Phoenix fini, désolé. Remarqua un édifice merveilleux, les archives. Un lieu où étudier les hauts faits et les stratégies des héros d'autrefois. Ah, ben on va y trouver Athéna alors. C'est de moi qu'elle tient son esprit tactique, tu sais. Mais tu offres la même affection à tous tes enfants, bien sûr. Ah, bonne blague. Alors... Bah du coup, on doit aller là-bas. D'accord, donc l'autre entre, il est ici, l'entre de spectre. Il faudra qu'on fasse aussi. Hein. Bah du coup, on est parti, hein. On va pas attendre plus que ça, let's go. Visée lointaine. On a tellement à faire. Allez, on est parti, let's go. Oh là là, je me trompe du temps. Ça fait un sacré trajet à faire. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas voler vraiment. Là, on plane, hein, mais... Bon, ça serait abusé sinon, mais... Tellement beau, regardez ça. J'adore. Le jeu est énorme. La map est immense. Les tout ce qu'on peut faire dans la map, c'est ça aussi qui est incroyable. Hein. Ah, les archives. Tu sais qu'elles utilisent un processus rigoureux afin de s'assurer de l'authenticité de chaque document qu'elles reçoivent? Et tu sais que j'ai envie de mourir à chaque fois que tu parles. Y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Alors, examiner les archives. Déjà, je vais surtout aller chercher l'ambroisie. C'est ça que je vais faire en premier. Phoenix arpenta les archives, foulant des statues en miettes de héros déchus. Parce que rien ne vaut une bonne balade dans un temple bien inquiétant et tout en ruine. Phoenix est un héros, Zeus. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les humains qui meurent, je te signale. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Montre-toi et viens te battre ! Je n'ai pas envie de me montrer. Oh, je viens de le faire. Oh, pourquoi je t'ai écouté? Une enfant? Je ne suis pas une enfant. Je suis Athéna. Athéna. Oh, oh, la déesse de la sagesse, la prophétie. Une enfant persuadée. Mais oui, tout devient clair maintenant. Oh là là, tu n'imagines pas à quel point j'avais hâte de te rencontrer. Mais pourquoi tu es si petite et si méchante? Tu le serais aussi si Typhon t'avait fait rétrécir et avait lancé une hydre à tes trousses. En entendant tes pas, j'ai cru que c'était ce monstre à face de serpent. Eh bien, je ne suis pas une hydre, mais un grand admirateur. Et j'ai tellement de questions à te poser.
Tu as vraiment battu Arès lors de la guerre de Troie? Pardon? Ah oui, deux fois. Incroyable. Et tu as vraiment été juge au procès de... Désolée, tu t'appelles comment? Phoenix. Quand je pense que je suis devant la vraie Athéna, même si c'est une petite... Enfin, une petite déesse. Tu allais me traiter de petite fille, là? Eh bien, oui. Ça t'aurait coûté très cher. J'ai compris. D'accord, je veux bien te croire, tu n'es pas une hydre. Mais ça veut donc dire qu'une hydre féroce est toujours à mes trousses. Où Typhon a-t-il caché ton essence? Si tu redevenais toi-même, cette hydre n'aurait aucune chance. Et on aurait fait un pas de plus vers la dépétrification de tout le monde. Ah mais voilà, c'est la première étape. Et s'avance le champion au cœur brave et à la tenue discutable. Attends, quoi? J'attendais ta venue. Seul un champion mortel peut emprunter le chemin des héros pour libérer le bâton du temps de Chronos. Le bâton du temps? Oui, il renferme le pouvoir du dieu du temps. Il nous permettra de vaincre Typhon et d'inverser le cours des ans pour annuler la pétrification. Sans ce bâton, nous sommes perdus. Oh, waouh! Et tu as un plan pour le récupérer? Chronos l'a perdu dans le fleuve du temps. Il n'apparaîtra qu'au champion qui suivra le chemin. La prochaine étape est de tuer l'hydre. Pour ça, je peux t'aider. J'ai déjà fait plus étrange sur cette île. Tant mieux! Alors, c'est réglé. Sois mon champion et va tuer cette effrayante hydre. Ma foi, les choses vont vite. Il y a une minute, tu as essayé de m'écraser avec une statue. Oui, mais c'est ainsi que va le destin, champion. La première de tes tâches est de tuer l'hydre. À plus tard. Sacrée tâche. Aurais-tu un conseil plein de sagesse à me... Athéna a eu le nez creux un peu spécial. En pensant au bâton de Chronos. Allez. Il n'y a pas grand-chose qui lui échappe. J'ignorais que tu connaissais son existence. On doit le tuer d'entrée comme ça? De toute façon, allez. Les bâtons, le bricolage, c'est mon truc. J'ai appris ça, oui. Au chute, Phoenix vit les redoutables têtes de pierre de l'hydre. Des visages aux dents puissantes, surgit d'un cauchemar. On voit que t'as pas vu Hera sans maquillage. N'importe quoi les dialogues. C'est vraiment trop bien. À mon avis, ça va être ici. On va battre un serpent, je pense. Un grand hydre. L'hydre légendaire. J'adore les serpents. Le monstre reptilien. Je suis pressé. Oulala. Choisis quelqu'un de ta taille. Il est pas bon. Non. Non, je l'ai raté. Bah c'est bon. Passoir, il s'est occupé tranquille. Oh, il serait pas mort, je pense. C'est pas aussi simple. Voilà. Je me suis dit, c'était bizarre quand même. Non. Ok. Oula.
Non, 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 non. Ah, ils font mal là. On va le tuer lui pour être tranquille, je pense. Enfin, franchement, je m'attendais à mieux. Digne des grands héros. Enfin, je m'attendais à mieux. N'exagérez pas, Athéna. Je suis un peu déçu. Une vraie cochonnerie à tête de serpent. Je suis un peu déçu du combat. En tout cas, on a récupéré là-dedans et c'est le principal. On doit le ramener à Athéna. Comment je peux remonter? Je dois tout l'escalader. Ah, je peux monter là, ok, allez. Allez, c'est pas fini, on doit encore monter. Ces phases d'escalation, c'est tellement horrible. Mon dieu. Et je prends des potions, je suis comme ça. Je n'aime tellement pas attendre. C'est pas mon point fort, hein, d'être patient. Hein. Bonjour l'enfant. Je te ramène une dent. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais cette hydre ne nous embêtera plus. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, l'apprenti champion est censé aider le paria ailé. Le paria ailé? Oh, l'oiseau que j'ai sauvé! Mais je l'ai déjà fait. Oh, c'est formidable tout ça. Gros enthousiasme pour avoir sauvé un oiseau. Bizarre, ça. T'es bizarre, non? Mais bon, un champion bizarre reste un champion. Oui, enfin, je n'ai pas fait que sauver l'oiseau. Tu as réussi! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiole avec les ailes. Bon, maintenant... Ah oui, la prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros. Et de recevoir... une bénédiction. Merci, Athéna. Pas mal, non? Tu vas devenir un héros comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant?
C'est quoi déjà? Ah oui, voilà. Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Ensuite? Quoi ensuite? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse! Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Va faire quelque chose! Apprends les leçons des héros! Ok. On a la première bénédiction. Ou bah on est parti pour faire la deuxième. On doit trouver la stèle d'Atalante. C'est qu'on a encore pas mal de trucs à attraper ici. Tellement grand quand même, hein, quand tu regardes. Tellement de choses. De la forêt d'Atalante, une femme célèbre pour avoir toujours refusé de se marier et pour avoir habilement traqué le sanglier de Calydon. On a dû la prévenir contre le mariage. Je connais, je la comprends. Voilà qui fera plaisir à tes épouses. Mais je suis pas en combat. Réfléchissez un petit peu. Opinion voilà. Chasser la proie d'Atalante. Première à frapper et première à agir. Viens là, mon petit. Au revoir. Souviens-tu, oh Zeus, que la flèche d'Atalante fut la première à transpercer la peau du sanglier de Calydon. Son histoire est un bel exemple de persévérance. Rends-toi compte, elle avait été abandonnée dans les bois et éduquée par des sources. Tout ça parce que c'était une fille. Les dieux, et moi le premier, ne feraient jamais une chose pareille. Tu peux demander à Athéna. Je le ferai si je réussis à placer un mot. Allez. La forêt, elle est vraiment classe hein, aussi. Hein. Franchement, le jeu, il est vraiment excellent. Il est excellent. Pendant la guerre de Troie, la fureur d'Achille ravagea les forces troyennes jusqu'à ce que son talon entraîne sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire. Sans pitié, le gars. Mais il savait aussi. On sentait qu'on pouvait lui ouvrir son cœur. Bon, il n'était pas un dieu. Il y avait du niveau. Non, non. Le bonhomme était parti. D'accord. Et bim. Alors, on doit réparer la statue, à mon avis. Allo, 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 allo.
toi tu l'as ? Je pense que c'est celle-là. Comment je fais ? Il faut que je trouve le bout de jambe. Elle est où sa jambe ? Où est la jambe d'Achille ? C'est pas trop. Là, on s'en va de la zone, ouais, voilà. Je pense qu'on s'en va de la zone aussi là. Je ne sais pas. Il y a un truc là-dessus, je crois, non ? Ah bah elle est là ! Oh là là, mon dieu ! C'est fixe ! Ouvre tes yeux. Triompher de l'épreuve d'Achille. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un combat ? Achille eut une dispute avec le roi Agamemnon. Ah mais ça, je m'en souviens. Même qu'il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ainsi, il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels. Non ! Oh, t'es sérieux ? Sympa ça quand même qu'on puisse tirer dans les trucs et... Ouais, c'est sympa. Allez, prends-toi ça. Ouah, ça a pas tiré. Ça a pas tiré encore une fois. Ah ouais, le gros par contre. Oh le gros. Non, c'était pas dans sa main que je voulais tirer. Par contre, je peux peut-être le stopper comme ça. Mais non, je le rate, je suis trop nul, je le rate encore. Allez, au revoir. Son orgueil avait condamné Achille, et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on s'en souvient de son courage et de sa résolution. J'arrive à rater les marches, quoi, putain. Ouh là là. Je suis pas chaud aujourd'hui, hein, quand même. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Et vous le savez, hein, je suis pas le meilleur. Hein. Loin de là. Par contre, l'épreuve, elle est quand même plutôt simple, hein, quand même. C'est bizarre, quand même, d'avoir trois combats super simples. Ça se trouve c'était une crypte classique là, non ? Ça me semble bizarre quand même.
est quand même ultra simple. Hein. Simple et rapide. Après avoir étudié deux des héros, Phoenix avait la tête emplie de leurs récits. Il se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non ? Regarde-le. Salut Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non ? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit ? Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait. Et quand on voit ce que tu as accompli, et j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger ce talon, d'accord ? Où le stèle d'Ulysse maintenant. Ramener le navire d'Ulysse. Courroucer le dieu de la mer. La classe. Conquis à nouveau le cœur. Alors que les Grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre contre Troie, la sagesse d'Athéna inspira Ulysse. Bah franchement, je vais vous le dire les gars, je suis vraiment très surpris du jeu. Je m'attendais pas à que ça soit aussi bien. Mais vraiment. Quand je l'ai fait, je me suis dit, bon allez, je vais le faire, mais je savais que ça allait être sympa, hein. Mais je pensais pas que c'était aussi bien. Par contre, ils sont vraiment chiants à battre ceux-là, avec leur bouclier, là. De ton monde. On doit le ramener où là-bas? Bah non, on en a déjà un. C'est pas ici. Où est-ce qu'on doit le ramener? Ah bah là, non. Il y en a déjà un aussi. Là-haut, il était comment là-haut? Je sais plus. Bah non, de toute façon, je sors de la zone, hein. En bas là-bas peut-être ? Dans l'eau ? On doit le mettre dans l'eau ? Amener le navire d'Ulysse. Ah là-bas peut-être en face ? Comment ça ? Allez, reprends ton souffle. Je dois dire que c'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule oh, « Personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé Ah, les morts. Allez, on va. Peuvent se montrer malins, n'est-ce pas? Allez, on doit trouver celui d'Héraclès maintenant.
Ok. Par là-bas. Oh putain, tout ce qu'il y a à trouver. je vais me téléporter par contre ce coup-ci pour aller un peu plus vite. Hein. Oh, y a tellement de choses à récupérer. Waouh, waouh, waouh. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Par là-bas. Alors, où es-tu, Héraclès? Enfin, le stèle d'Héraclès. Ah, je vais m'arrêter pour choper les diamants violets. Que le violet, si c'est celui qui m'intéresse, hein, je sais même plus. Mais je crois que c'est le violet hein, qui m'intéresse. 70, hein, c'est pas négligeable. Hein. Colline du gardien. Ah, les travaux d'Héraclès. Travailler pour le roi Eurystée, ça a pas dû être facile. Un accès de pitié pour Héraclès. Non, il méritait tout ça. Je me souviens que le travaux. Roi rajoute les pommes et le cerbère à la liste des 10 travaux initiaux, moi je dis que c'est petit. On doit faire quelque chose ici. Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, le sanglier d'Érimante, les écuries d'Augias, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois, les juments de Diomède, la ceinture d'Hippolyte, les bœufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides, les cerbères. Ça c'est pas assez lourd, ok. Là-bas on a un truc assez lourd je pense. Viens à moi. Like. Oui à mon avis, il est assez lourd. Il est pas si lourd. On est bon là. Ouais, c'est assez lourd ça. Du coup c'est quoi? On va faire un truc ici sûrement. Le 12e et dernier travail d'Héraclès. Capturer l'horrible animal de compagnie d'Hadès, par ailleurs gardien des enfers, Cerbère. Ah oui, je m'en souviens. Ça a été quelque chose. D'autant qu'il a accompli cet exploit alors qu'il était encore mortel. On a vu l'ambroisie hein, sur la boucle de gauche là. On va aller la chercher. Hein. Je sais pas si on peut rentrer dedans. La bouche elle a l'air d'être fermée. On va aller voir quand même si on peut. Ouais, je pense qu'on peut rentrer largement. Pas de problème. Les environs sont vraiment énormes. On va rentrer dans la gueule du dragon. Allez, tu vas rentrer, nom de Dieu! Allez! Let's go! Chien d'Hadès. Ok, là il n'y a qu'un combat, à mon avis, ça va être un combat. Oh, tout le monde. Ok. Avait de nombreux défauts humains. Oh, c'est quoi celui-là? Il trompait sa femme. Il était orgueilleux et vantard. Oh bah non, il avait des qualités aussi. Pour un mortel, tu veux dire? Oui, pour un mortel. Oh.
un truc derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais aller voir derrière quand même. Ah bah il y a un coffre, c'est pour ça. Ouais, on va aller voir. Non. Comment je fais cette erreur? Ouais, je prends une potion, hein, la flemme. Pas le temps d'attendre, allez. Par là-bas, ça va être mieux, par l'entrée. Hop là. Let's go. On a combien de foudre au fait? 4, 5? Je ne sais plus. Comment il atterrit? Il est chaud. Ah, Athéna. Oh, bonjour Phoenix. Alors, ces tâches de champion. Les héros étaient entêtés. Ils avaient leurs défauts, mais ils étaient sûrs d'eux. D'une certaine manière, c'est à leurs défauts qu'ils devaient leur grandeur. Oui, sûrement. C'est très sage ce que tu dis. Il y a quelque chose du côté de ce temple? Non, n'approche pas de ce temple. Rester à l'écart, c'est aussi une leçon sur la sagesse et le destin. Tout quoi. Laisse-moi m'occuper de la sagesse. Retrouve-moi au sanctuaire de Moria quand tu seras prêt. Le bâton du temps est à ta portée. Bizarre, non? Vous trouvez vous aussi que c'était bizarre, non? Une clé de temple. Et le symbole d'Athéna. Ce doit être ce qu'elle cherchait. Oh, j'ai compris! C'est mon énigme de héros! Elle m'a donné l'indice et a laissé ça ici pour que je le trouve et que je découvre mon chemin. Comme les héros. Bon, vous, pas bouger. Non. Allez, c'est parti. On va dans le temple. J'en aurais peut-être besoin après. Hop là. Allez, si on se faisait la petite fresque. En entrant dans le tribunal, Phoenix trouva 12 sièges. Un pour chacun des Athéniens qui devaient décider du sort du vindicatif Oreste. Ah oui, je me souviens. 6 ont voulu qu'on le remette aux Furies et 6 autres ont voulu la quitter. Du coup, c'est Athéna qui a décidé de son sort. Du coup, faut trouver les 6. Bah, comment je fais? Et 6 au pif? Ou est-ce qu'il y a un ordre? Déjà, on va trouver les caisses déjà. Bah là, il y en a une là. 3. Il y a 3 caisses déjà. Si je mets ça, on en a 4. Bon, à mon avis.
Y'a pas des caisses par ici? Non? Là-bas y'a des ennemis? Y'a une caisse là-bas, ouais. Ils sont énervants ceux-là. Je dis pas qu'il en faut 12. Ah d'accord, donc il faut que je prenne les hiboux, enfin que je mette ceux où il y a les hiboux, donc lui il y en a pas, là il y en a deux, parfait, on en a mis un sans faire exprès, lui il y en a un, là aussi, je le fais même pas exprès mais ok, et celui-là, ouais forcément il faut que... où est-ce qu'on peut en avoir une autre? Là, y a rien sur les toits. Qu'est-ce que c'est que ce parcours ici? C'est pour déverrouiller une autre caisse, ok. Alors, ici. C'est simple. Et là on est bon au niveau des caisses. Il manque là-bas normalement. Le dernier je crois. Alors la fresque. Du coup c'est pas la mission principale mais bon, tant pis hein. Donc ça on doit la mettre en haut à gauche. Là, c'est en bas. Quand je dis à gauche, ça peut être à droite aussi. Bah, je dirais que c'est à droite du coup. Celui-là, ça doit être en bas à gauche. Normalement, ça doit être comme ça. J'ai bien compris, c'est comme ça. Parfait. C'était pas la mission. Hop, allez, let's go. Le prêtre d'Apollon ? Oh, bonjour. Toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, tu sais bien.
des prophéties, des professeurs. Oui, j'ai appris des tas de choses depuis ta prophétie, justement. Et j'ai plein de questions. Oh non! Tout le monde a une question! J'ai dû en donner un sacré paquet à une petite déesse pour qu'elle me laisse tranquille. Champion ci, champion ça. Athéna? Quoi, le chemin des héros? C'était une prophétie, ça? Oui, enfin, pas vraiment. Pas comme cette affaire terrifiante avec toi. Mais elle a exigé un plan, tu vois? Alors, j'en ai inventé un, de plan. Inventer un plan? Mais si le chemin des héros ne repose sur rien, comment je vais trouver le bâton du temps, moi? Ah, parce que c'est ce que tu essaies de faire? Il n'y a pas de bâton du temps, c'est ça? C'est moi, le champion. C'est censé être ma destinée. Peut-être, oui. Mais les choses arrivent parfois pour des raisons inconnues de nous. Tu comprends? Peut-être que c'est une fausse prophétie, mais ta vraie destinée. Qui peut le dire? Un oracle? Oui, voilà. Bonne chance pour en trouver un. Parfait. Je m'en vais, alors. Alors on se dit à la prochaine. Quand ça? Franchement, mais je n'en sais rien. Tu as cru que le bâton du temps existait? Il est très drôle, lui. Je t'ai eu, Prométhée. Uh-huh. En fait, c'est toi qui t'es fait berner. Comment cela se pourrait-il? Puisque c'est moi qui raconte l'histoire de sa révélation. Parce que je me suis servi du bâton du temps pour le faire disparaître de l'histoire. Bon, il fait quoi, Phoenix? Ah, je suis désolé, mais je vais pas te combattre, toi. Allez, on va voir ce que Athéna va nous raconter. Est-ce qu'elle nous donne la deuxième bénédiction ou pas? Pour l'instant, c'est plutôt assez, plutôt simple, je trouve, les missions là pour Athéna. Athéna. Athéna, parlez-tu le nom? Elle s'est fait dévorer? Il ne vaudrait mieux pas. Ah ben enfin quelque chose qui a du sens. Les mortels ne servent pas à grand chose, mais j'aime bien. J'ai cru que ça avait frisé, moi. Où sont mes sacrifices? Athéna, tu n'as rien! Pourquoi tu as un couteau? Pour faire de toi le champion. Les énigmes des héros ne t'ont rien appris ou quoi? Ils ont tous connu l'échec. Et c'est ça qui les a rendus meilleurs et plus forts. Alors on va passer directement à cette étape. Ah, l'étape où ils sont tous devenus des spectres. D'après la prophétie, mon champion doit ressembler aux héros d'autrefois pour invoquer le bâton du temps. Et ces héros sont tous des spectres. Athéna, attends! Cet oracle est un imposteur! On t'a dupé à l'aide d'une fausse prophétie. Non! La prophétie est vraie! Il a dit que le bâton permettrait... On va être grand et fort.
et se servir du bâton pour remonter le temps. Mais comment, Athéna ? Typhon va nous altérer et ensuite, on deviendra ses esclaves. Il n'y a pas de bâton. Je sais plus quoi faire. Depuis qu'il m'a transformée, je n'arrive plus à réfléchir. La prophétie, au moins, je pouvais m'y raccrocher. Nous devons croire en toi. Tu es la déesse de la sagesse. En matière de stratégie, tout le monde se tourne vers toi. Est-ce vraiment ton chemin ? Que t'ont dit les autres ? Je sais pas. Zeus me disait tout le temps ce que je devais faire. C'est bien vrai, ça. On forme une belle équipe. Et c'est pour ça qu'elle m'aime. Mais tu ne l'écoutais pas toujours. Tu n'es pas idiote. Il a du culot, ce mortel. Athéna, pour battre Typhon, il nous faut un jugement solide. Pas une brindille magique. Du solide. Comme ce temple. Mon temple. Oh, je pourrais me servir de son pouvoir pour ouvrir l'endroit où est mon essence. Mais il faut d'abord le purifier. Je doute que ça en vaille la peine. Ce temple est comme toi. Plein de gloire, mais... amoindri. Te moque pas de moi, en plus. Mais non. Je vais te montrer ce que je veux dire. D'abord, il faut restaurer ton temple. Bah, pourquoi ? Parce que je suis entêté. Comme tu l'étais. Attends ! Prends ma bénédiction. J'allais te l'offrir de toute manière. Pour faire de toi un meilleur, tu sais, spectre. Bonne chance, Phoenix. Pas besoin de chance. La sagesse est de notre côté. Et une bénédiction en plus. Le jour du jugement. Et ben on va s'arrêter là. On fera ça la prochain épisode. Hein. Donc je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine.